Get your kicks on Route 66. Get your kicks. C'est Pierrot. J'ai eu l'idée de créer Cuisibus il y a 3 ans. J'ai 34 ans et je suis cuisinier de métier. Bah, l'idée, c'était de trouver une formule un peu plus ludique et plus sympa que le restaurant traditionnel. Et puis surtout, de pouvoir lier la cuisine aux produits locaux et pouvoir faire davantage de recherches sur l'origine des produits et sur la sélection des produits à servir. Donc on a quelques producteurs qui adhèrent à l'association, à qui on se sert. On a notre producteur de pain, on a un producteur d'œufs, de jus de fruits. Non, pas encore tous nos produits sont pas encore locaux, mais on fait de la recherche dans ce sens-là. Puis il y a surtout la notion de faire de l'éducation populaire autour de l'alimentation, donc d'essayer de parler aux gens de leur façon de consommer, et en particulier de consommer pour leur alimentation, et de les sensibiliser à mode possible, différent. C'est tout à fait possible pour nous de manger mieux, de manger plus sain, et pas forcément pour un prix supérieur. C'est le message qu'on porte. Venez déguster quelques boissons spécialement préparées pour vous. Un menu de premier choix, composé par Maître Pierrot. Une soirée animée par votre serviteur, Benabacus. À tout à l'heure. Voilà, on est une association loi de 1901 avec une direction collégiale. Donc tout le monde est au même titre. Il y a une petite trentaine de personnes au conseil d'administration, 27 je crois exactement. Et on est à pas loin de 200 adhérents sympathisants de l'association. Oh, ils sont beaux. Oh, Dame Calista et nos goupilles, ils sont là. Bonjour mes amis, soyez les bienvenus ici à Festibus. Soyez les bienvenus, eux aussi, ils sont là pour l'apéritif. Ah, mais j'aperçois Monsieur Victor et Maître Jacques. Cut. Could never, never let a homeboy. Yeah, homeboy. I'd love to hug her in the morning, kiss her till the dawn, and don't you know? Can't you see what she does to me? She keeps me poor heart in misery, homeboy. Yeah, homeboy. I love to hug her in the morning, kiss her till the dawn, and don't you know? Le roi de pique, je vais le poser ici et je vais vous faire retoucher une deuxième carte. Cette carte-là, ce sera 10 de cœur. Et une fois que j'aurai fini de compter, les cartes se seront tout simplement téléportées. Attention, ça va aller super vite. Ah, c'est la seule à l'envers. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. C'est un vrai gringalet, ociné, cabossé. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est bancal,
du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, mais il est anormal. On a intégré un côté cabaret, mais je dirais même plus, parce que les Frères du Mystère étaient présents dès le début de l'idée de Cuisibus et avaient commencé à travailler ce cabaret il y a plus d'un an et demi, bientôt deux ans. Et c'est une formule qui bien marché, qui a beaucoup plu et sur laquelle on va continuer de travailler et d'aller la proposer. Donc il y a 9 artistes et du coup il y a à peu près 9 cuisiniers et serveurs qui sont là. Bon, il est passé où là? Je le cherche toute la soirée ou on sort? Là au bout. Et un robot, il n'a pas survécu. Ça va être tout sur ton salaire, ça, je te préviens, moi. Lorsqu'il s'invite avec les yeux, oh, qu'il aime tant, mon bel amour, mon amant. À l'avenir du Cuisibus, c'est tout un tas d'ateliers autour du bus, autour de l'éducation populaire. C'est certainement l'arrivée de l'association L'Atelier des Liens à la Monnerie de Montel, avec lequel on va partager un atelier mécanique, un atelier de couture, petit espace de partage, du coup, un type de café lecture associatif, un peu de restauration de temps en temps, un lieu pour que les gens se rencontrent et puissent partager des savoirs et des compétences. Cuisibus, ça fonctionne avant tout avec des bénévoles, ça fonctionne sans subvention et sans soutien financier d'une banque. Donc déjà un grand merci à tous les bénévoles et à tous les gens qui soutiennent Cuisibus depuis le début, et aussi un grand appel à tout le monde qui pourrait venir apporter un plus, un mieux à Cuisibus. Ou autre chose. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.